ce moment-là. On n'était pas chez nous aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me fout les boules. Mais dans l'adversité, il faut qu'on soit encore plus fort. Il faut que vous soyez encore plus fort. Parce que les gens, ils sont venus ici, sont déplacés jusque dans le 93, juste pour voir ça. Parce que les gens, ils ne nous respectent pas. Et vous le savez, ils vous respectent quand vous gagnez. Quand vous ne gagnez pas, bah, c'est normal. Ils ne doivent pas gagner. Donc j'espère que vous allez apprendre de ça. Tous, tous. Bah, je m'appelle Ilja Ladoujolo, j'ai 12 ans, je joue en U15 France avec Lyon. Je m'appelle Marco, j'ai 14 ans et je joue pour Villemomble. Bah, moi c'est Noah et qui est Smile. Numéro 5. N'importe quelle situation, je vais sauver. Garde, qui est Killer Kwame. On s'est entraîné cette semaine, on a vu des choses. Il va falloir montrer tout de suite. Mais vraiment, tout de suite. Dès le coup d'envoi. Tout de suite, il va falloir montrer. Il n'y a pas de. Il me faut une minute, deux minutes, trois minutes, il faut que je m'adapte, il faut que je comprenne. Non, non. Prêt ou pas prêt? Vous êtes prêt? Tant mieux. Vous n'êtes pas prêt? Tant pis pour vous. Les efforts lorsqu'on a ce ballon pour se projeter rapidement et d'être dans l'agressivité et l'intelligence. Un mec juste agressif et bête, ça ne m'intéresse pas. Agressif et intelligent. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez au boulot, messieurs. Respectez, on les respecte. Respectez. On y va. Yes. Allez, allez au boulot. Reste tout seul. Et on y va. On s'est surestimé quand on a vu les joueurs. On fait les efforts, on gagne les ballons et derrière on le balade, on le bazar là, quelle connerie là. Lisa, on va. Perte de balle, et encore perte de balle. Qu'est-ce qui vous oblige, des gars comme Charles? 1 contre 3. Plus 10. Bah ouais, il y a la caméra du daron. Ça va faire les mixtapes. Bah ouais, il va falloir faire les mixtapes. Il y a un camarade du daron. Parce que la finalité, c'est même pas que l'équipe elle gagne, c'est que je marque des paniers et que je fasse mes mixtapes. Mais ces attitudes-là, ça va vous conduire où tout ça là? Pensez qu'il y a marqué. À rien du tout, à zéro. Vous allez rien gagner. Et pour preuve du contraire, le MVP, il est pas chez le perdant. Tu gagneras rien d'important. Tu gagneras des petits trucs, mais dès l'année prochaine, ton poste de jeu, c'est quoi? Meneur, ailier, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je sais marquer des paniers. Ok, tu sais marquer des paniers. Mais comment? En meneur? En 2? En 3? Mais non, mais moi, je cours, je marque des paniers. Mais non, mais nous, on est en U18 maintenant. Chacun son poste. Tout le monde va marquer des paniers. Le big man, il va marquer des paniers en bas. Il va en marquer 10, 15. L'autre, il va marquer poste 4. L'autre, il va marquer dans l'aile là-bas. Et le meneur, il va les mettre dans le jeu de transition. Mais toi, tu peux penser à l'avenir un peu? Qui va t'arrêter là? Tu vas mettre 30 points, 40 points. Qui va t'arrêter? T'as vu ton gabarit? Qui va t'arrêter? Les petits gars d'ici? Projette-toi dans le futur un peu! Casse les couilles! Killer, parce que je suis mes adversaires. C'est ça en fait, killer, c'est la mentalité. The scene is getting crowded, I'm a robber always. I don't need your approval, I'm a go my own way. My daddy told me to be first, you finish last place. The world show me what.
Pénible. Vous allez voir la solution, on va le voir match après match. Si vraiment on est en place, si vraiment tout le monde fait ce qu'il faut, eh ben, il n'y a pas beaucoup qui vont pouvoir mettre des paniers dans notre défense. Bravo pour la victoire, on se remet au boulot. Mardi, les polices, lundi, la semaine prochaine, on reçoit nos copains de Nanterre. Voilà, nos copains de Nanterre. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de complexe. Ce sont les champions de France, évidemment. En titre, mais nous sommes la seule équipe à les avoir battus l'année dernière, les avoir battus au tournoi qualif. Et là, toutes les têtes sont tournées vers Nanterre. Je crois que c'est l'anniversaire de Lidja, c'est ça? Ouais. Tu veux une chanson? Non. Attends. En général, chez les grands, c'est pas les bouteilles. C'est soit vous le mêlez. La moitié dans l'angle, l'autre moitié à l'opposé. La moitié dans l'angle, l'autre moitié à l'opposé. Réactif, triste. Moitié dans l'angle, l'autre moitié à l'opposé. Regarde, comme d'habitude, ça triste. Ça fait semblant. Ça n'a pas compris, il faut aller plus vite. Quand tu sais quoi, c'est mieux. Nous, notre objectif sur les petits, c'est de faire la passerelle entre la catégorie 15 et le monde du centre de formation. Donc, on essaye de les former individuellement au sein d'un collectif pour les accompagner au mieux. Et les préparer au mieux à, voilà, à l'univers des centres de formation pour ceux qui veulent y aller. Moi, mon rôle, c'est de prendre les rebonds et d'attaquer fort. Et voilà. Les grands, ils sont partis,
Notre état d'esprit, il a un peu changé aussi, mais ça va le faire, on est bien. Bon. Bon. Non, non, t'as une réponse, sinon tu seras jamais solide. Non, écarte tes bras, c'est pas reculé. Écarte tes bras. T'es pas costaud, fais des vrais pompes, c'est pour devenir costaud. Fais des vrais pompes. Écarte tes bras. Voilà. Écarte tes bras, pas les, fais des pompes et pas des pompettes. Allez, vas-y, on y va. Le gars, il est devant toi, il est à 3 mètres derrière lui. Bah, l'année dernière. Pour moi, c'était vraiment très dur, mais maintenant, vu que je les connais et que bah, maintenant ça va mieux. Hein. T'as l'habitude. Ouais. Ouais, allez, avec lui. Yeah. Bravo, les gars. Yeah. L'objectif, c'est pas à nous, les coachs, de le définir. Nous, on fonctionne comme ça. On essaie toujours de valoriser l'enfant, le jeune, qui est au cœur du projet. Donc, en réalité, l'objectif, c'est les petits qui le mettent en place par eux-mêmes. S'ils désirent aller au plus haut niveau du championnat, c'est-à-dire sur les playoffs, à eux de mettre en place et de ces choses-là, et puis d'aller chercher, d'y mettre la volonté, quoi, d'y mettre le cœur, tout simplement. Imprévisible que nous dans ce qui est dans ce que l'on propose offensivement, ça on le sait. Il n'y a pas plus, en gros, dans tout ce que l'on veut faire, il n'y aura pas plus que nous si on le décide. Okay, c'est un monde contre un autre monde. Maintenant, il faut voir quel est le monde qui a raison. Pour moi, ça va être une autre question, certain. Mais que demain, personne n'a peur, personne ne se pose de questions, tout le monde fait. Ok. Du bruit. Tous ceux qui veulent jouer pro, tous ceux qui veulent jouer NBA, ben, ça c'est la rigolade en vérité. Okay, c'est ça. Donc celui qui fait donne de l'attention, de l'importance à ce qui se passe dans les tribunes, il n'a rien compris. C'est là, dans le rectangle, que ça se passe. On est d'accord ? C'est comme si, en fait, je me prends comme si j'étais un 2009. C'est pas, je me dis pas, j'ai 12 ans. J'ai l'impression, je me dis, ouais, j'ai 13 ans. Comme si j'étais un premier ami. Je comprends pas en fait. C'est le vert, c'est la kryptonique, c'est ça ? C'est ça ? Non. Le vert, c'est le kryptonique. Pourquoi vous le respectez autant ? Pourquoi, sur tous les matchs, on est dans quand le ballon arrive sur le joueur, on est sur le joueur, et là, aujourd'hui, alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire, par exemple, la semaine dernière, ça jouait mieux au basket, mais on est systématiquement en retard. Vous avez bien vu, nous, on a laissé passer l'autre, on a laissé passer le truc, on n'a pas pris de temps mort. C'est eux qui sont devant qui prennent un temps mort. Donc c'est bon, on peut y aller. On peut envoyer un peu ou pas ?
Est-ce que ça nous fait KO? On peut ou pas? Alors faisons-le. On va faire quoi après une passe, garçon, en attaque? La peur doit exister quand on est compétiteur? Non. Logiquement, non. Donc du coup, ça veut dire déjà, nous ne sommes pas logiques. On peut avoir un stress ou je ne sais quoi, mais la peur, non, je suis pas d'accord. Non. Surtout quand il n'y a rien en face, je suis pas d'accord. On l'a préparé ce match correctement. J'ai rien à vous dire sur le travail que vous avez fait cette semaine. C'est parce que vous êtes envahi de pensées négatives. Qui fait que Maïvan, deux fois, les main gauche, il les met à côté. Deux fois. Qui fait que certains donnent le ballon dans les mains de l'adversaire, ne vont pas au rebond, et en plus ne défendent pas correctement. Quand on voit un Smile qui est en attitude, et qui se fait passer dès le premier dribble, parce qu'il envoie une pensée négative, ce qui lui dit, t'en es pas capable. T'es pas capable de stopper lui. T'es pas capable. Mais tu penses vraiment, et vous pensez vraiment tous, que si vous n'êtes pas capable, je vous mets sur le terrain. Pensez vraiment. On va vous faire ce cadeau? C'est impossible. On ne fera pas ce cadeau-là. Donc on peut pas faire pire, nous. Par contre, on peut faire mieux. Et en étant à l'envers, moins deux. Et là, il y a un nouveau match qui doit redémarrer. Mais on ne peut pas y aller avec cet état d'esprit-là, avec ce genre de pensée négative. C'est impossible. Impossible. On ouvre les yeux, on y va, on leur casse la gueule. Allez. Plus stress à voir, il y a plus de peur à voir, maintenant je joue au ballon. Comportez-vous comme des lions, on y va, on leur casse la gueule. Qu'est-ce qu'il faut? Je pense que vous ne pouvez pas être.
Là, 5 mètres. Là, la raquette. Faire les efforts, l'autre qui veut se reposer, et l'autre qui est ceci, et l'autre qui veut faire le super-héros, il n'y a pas la mentalité, et il y a toute possession. Il reste 4 minutes, 5 minutes, et il n'y a pas la mentalité. On fait quoi ici? On est venu pour mettre un costume, on met l'uniforme pour faire les beaux gosses. On veut pas se battre? On n'y croit pas là maintenant? Il reste 4 minutes de possession, on n'y croit pas? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Sans déconner. À quoi sert cette mentalité? Elle pue la merde cette mentalité! À quoi sert? Allez au boulot! 6 minutes, il reste! J'ai envie de participer à ce truc-là, mais il faut mettre les formes et il faut mettre les ingrédients. Vous ne mettez pas les ingrédients, voilà, ça c'est une petite défaite. Hein. Si ça vous sert de leçon, tant mieux. Mais derrière, s'il n'y a pas réaction, si vous ne changez pas, si on est constamment en lutte entre vous et nous, si on est constamment entre, personnellement, je vous le dis, aucun plaisir. Je crie. Pourquoi en retour? Rien du tout, à part une voix cassée, rien, pas de changement. On a beau vous
dit, allez, venez là, là, ceci, cela. Il reste 2 minutes. On est à moins 3. Une possession. Perte de balles, perte de balles, perte de balles, etc. Bah, les Nantais, ils sont pas fous. Ils sont venus l'année dernière. On les a joués en début d'année. Ils savent qu'ici, ça va être dur. Pas se faire mal. Et puis après, vous allez rentrer dans les voitures de vos parents. Et je vais entendre aucun parent. Sinon, je vous jure, je vous allez voir. Il n'y a aucun parent qui va me voir, sinon je l'envoie chier. D'accord ? Faites le travail à l'entraînement, pas de soucis. Mais soyez pas des joueurs d'entraînement. Quand vous arrivez sur le terrain, montrez qu'à l'entraînement, vous envoyez. Donc le premier qui chiale auprès de son père ou de sa mère, ça va mal aller. On n'a pas fait ce qu'il fallait, ça s'arrête là. La semaine prochaine, on a un autre match à Caen, je crois. Eh ben on y va. On y va en changeant les attitudes, en changeant les mentalités. Les gars qui veulent se cacher, qui veulent faire toutes les remises en jeu, non, stop. Les gars qui veulent pas aider, non, stop. Les gars qui veulent pas faire leur travail défensif là, qui prennent le vent à chaque fois, non, stop. Y a pas le choix, stop. On attaque les gars qui veulent juste se mettre dans un spot et attendre que les choses se fassent ou qu'un copain fasse, stop. Ça se joue à 5. Plus 6 sur le banc, on est même 7 en championnat de France. Donc ça se joue à 12. Mais il faut 12 combattants, pas 12 figurants. Et malgré ça, ce qui est positif, c'est qu'on ne prend pas le vent. Mais vous imaginez, tout ce qu'on leur a donné, tous les ballons qu'on leur a donnés, et on n'est même pas à moins 10. Le coach, il sait. Nous aussi, on sait. Mais tu vois, il a, c'est le père de cartes qui est venu, mais il a raison, je te jure. Il a raison de venir te voir en bas et dire, eh, c'est maintenant qu'il faut être présent et t'es pas présent. Quand je dis il a raison, mais c'est valable pour tout le monde. C'est maintenant qu'il faut être présent et vous n'êtes pas présent. Tous les dimanches, 13h15, il faut être présent et vous n'êtes pas présent. On fait comment? Moi, je ne sais pas, mais vous voulez faire comment? Juste jouer? Ben, redescendez en région. En plus, en région, ce sera moins dur et vous serez les plus forts. Redescendez en départ. Ce sera encore moins dur et vous serez des dieux. Mais championnat de France, c'est pour les combattants. On a un petit 2010, il est où? On a un petit 2010. C'est le plus exemplaire dans le combat, dans la chose, dans cela. Il fait des choix, mais il n'y a aucun grand sur le côté qui vient le conseiller et dire non, tranquille, là, machin, là, non, non, je prends la responsabilité. C'est le petit qui fait le truc. Vous n'êtes pas gêné? Moi, personnellement, pour vous, je suis gêné. Et la gêne, elle vient avant la peine. Le petit 2010, il est censé être Benjamin, lui, U13. Comment? Encore une fois, c'est pas une histoire de physique, c'est pas une histoire de taille, c'est pas une histoire de force, c'est une histoire de mentalité. Et là, la mentalité, pour qu'elle change, c'est vous qui allez décider de à quel moment vous voulez changer de mentalité. Nous, on vous dit que la mentalité, elle est pas bonne, il faut la changer. Maintenant, si on n'en a pas conscience, si vous ne voulez pas la changer, ne la changez pas. Ne la changez pas. Une équipe qui ne progresse pas, c'est inquiétant. Des joueurs qui ne progressent pas, c'est doublement inquiétant. Il n'y a pas de magie. L'équipe va progresser, les joueurs vont progresser. Dans les deux sens. On ne veut plus rien voir dans le vestiaire à la fin.